Bonsoir à tous, je suis Suzucube et je suis très content de vous retrouver pour un let's play sur Final Fantasy XVI. Et pour l'instant, je suis un peu surpris parce que le gris de l'écran en fond, cette espèce de gris foncé, et pas un noir parfait. Et du coup, c'est pas super ouf. Alors, on a les vibrations, on a les textes en français, on a les voix en français, très très bien. On ajoute performance et qualité graphique, je sais la qualité graphique. Représentation visuelle des sons de nom. Mode histoire ou mode action. Le personnage attaque et esquive automatiquement. Et par défaut, on propose le mode histoire. Et là, le mode action permet de défis. Allez, va pour le mode histoire. On peut commencer l'aventure. Les vibrations sont très agréables, comme d'habitude sur PlayStation, là, je vous dirais. Les faits suivants. Valistea était une terre bénie par la sainte lumière des cristaux. Alors pour l'instant c'est simple, j'ai Christ aucune lumière de Ambilight. Qui trônait aux quatre coins du monde, avait guidé les hommes vers la prospérité. Mais le désir et l'envie naissant en eux finirent par troubler leur cœur. Enfin si, une très légère lueur. Que commença leur quête. La définition de... La quête des cristaux. La définition de l'image par contre elle est vraiment bonne. C'est vraiment joli. Ah oui, là il y a les ailes qui battent. Ah ouais, c'est très joli. Je pense que je vais vous refaire cette séquence avec l'Ambilight parce que c'est exceptionnel. Hein. Allez, je bouge B. Alors, attaque. Hey, je suis à fond sur le son. On sent les vibrations des traces de pas. Les deux camps commencent à s'agiter. Vous connaissez notre cible, l'émissaire de Shiva. Et uniquement l'émissaire. C'est une femme. Je vais baisser la sensibilité de ce micro. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle sera là? Tu sais très bien que tant qu'on a ces marques, on pose pas de questions. Tu ferais bien de t'en souvenir. Allez, on y va.
Ah, y a pas à dire, le jeu est très beau, hein, graphique. Par contre, moi j'ai choisi de jouer en 30 fps, mais il est très très beau. Au pire, je peux acheter la compensation de mouvement, lol. Déconne pas, Wyvern. Aujourd'hui, tout va dépendre de toi. Je sais, sergent. C'est par ici, suis-moi. Ouais, mais pourquoi? Il faut pas perdre de temps. Ok. Beau merdier. Faut se bouger. C'est le même système de course que dans Final Fantasy XV. Un peu bizarre quand il tourne, mais bon. On arrive juste à temps. Comme c'est, ils auront même pas besoin de leur nouvel émissaire. Waouh. Aux portes ! Allez, vite ! Qu'est-ce que ça signifie? Vous refusez? Nous sommes alliés! Valeud se doit de nous aider! J'aime pas l'ambiance que je trouve assez médiévale, dark, dark fantasy héroïque. Calmez-vous. Mais c'est tellement bien réalisé. Maréchal, vous vous adressez à un roi. Vous vouliez une réponse, vous l'avez. Je ne sais pas ce qui vous inquiète autant. Ne faites-vous pas confiance à votre armée? Si je me souviens bien, c'est vous qui aviez repoussé les sangs de rouille lors de la dernière guerre, n'est-ce pas? Vous vous en sortirez. Et puis... votre émissaire n'est pas encore intervenu. À mon avis, on ne ferait que vous gêner, non? Mais d'après nos espions, le royaume de fer dispose aussi d'un émissaire. Nous ne sommes plus du tout dans la même position. On n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si les sangs de rouille prennent cette citadelle...
La capitale sera à leur portée. Alors que nos soi-disant alliés décident de nous aider ou non, on n'aura pas le temps d'attendre leur renfort. Donc, il ne reste que moi. Revenez ! Les sangs de rouille vont regretter leur petite excursion au Vert Ponant. C'est fini pour eux. Elle a dit qu'il n'y avait pas de waifu dans Final Fantasy XVI, mais si. Évidemment. Oh, prends garde. Est-ce que le loup prend garde quand il chasse un agneau? À moins que tu me prennes pour un agneau. Non, mon amour. Tu es un loup. Tu es mon loup à moi. Pas mal, les bzzz. C'est la classe qui va me faire peur, Bénédicta. Mais quand je rentrerai, il faudra me réchauffer. T'as un regard bizarre. C'est un vrai foutoir. C'est le bon moment. On pourra passer inaperçu. Let's go. Et on suit le plan? Affirmatif. Passe devant. Attendez. C'est pas normal. Ok. Le mec devait en avoir marre de se faire massacrer. On dirait que les sangrouilles sont pas en reste. On bouge. Ah ouais, faut quand même avouer, c'est du très grand Final Fantasy. Hein. Je continue sur mon Diablo 4, mais quand il sort FF16, je passe dessus. Hein. Un très grand jeu cette année.
On n'a pas le temps de traîner, Weaver. Bouge. Bah ouais, mais c'est pas ma faute, bordel. Mais qu'est-ce que c'est épique. T'as la flèche, par contre, vous abusez, Square Enix, c'est bon. Reste pas planté là. Quoi, ce truc qui tombe? Ah oui, mais il marche toujours, le géant, le titan. Aïe. C'est incroyable. Wyverne, Wyverne. Reprends-toi, Wyverne. Tu sais qu'on a une mission à finir. Fini. Bon, si tu ne te sens pas à la hauteur, tu peux toujours renoncer au titre de gardien. Moi, si mon gardien se retrouvait aussi facilement les fesses dans la boue, je crois que je m'inquiéterais. Je sais qu'il me protégera. Moi, je suis sûre qu'il va gagner. Pas vrai? Vas-y, je sais que tu vas y arriver. Te laisse pas faire. Garde. Tu ne voudrais pas décevoir tes fans, hein? On va commencer par revoir les bases. Allez, fais voir ta technique. D'accord, c'est celui-là qu'il faut faire. Très bien. Avec cette agilité, tu brilleras sur le champ de bataille. Mais qu'en est-il de ton aptitude à la magie? Phoenix t'a accordé le pouvoir de ses flammes. Fais-moi une démonstration. Allez, Clive! Montre-moi tes sorts de feu! Magnifique. Oui, continue. Ça ressemble vraiment à FF15. C'est pas mauvais, hein. Bien joué. À ce que je vois, on dirait que tu n'as déjà plus besoin de leçons de magie. C'est trop d'éloge, maître. À moi de lancer les hostilités. En avant, Clive. Tu sais attaquer, mais qu'en est-il de... ta défense. Cette fois, tâche de mieux esquiver mes coups si tu ne veux pas encore tomber dans les pommes.
Est-ce que tu vas arriver à éviter ça? Raté! Super esquive! Je ne te savais pas si agir. C'était formidable! Et non! Bien! Pas un mouvement de trop. Bien! N'oublie pas, Clive, tu dois apprendre à contrôler ton corps. Les réflexes et la maîtrise des mouvements peuvent être des armes bien plus puissantes que les lames les plus affûtées. Et puis, tu es différent des autres, pas vrai? Je suis sûr que tu peux te démarquer. Tu as reçu la bénédiction de Phoenix, et tu es le gardien de ton frère. Utilise ce pouvoir pour t'approcher de moi. Alors, je t'attends! Ouais, ça ressemble au TP de impressionnant. Noctis. Mais même en étant agile, il est difficile de sortir d'un combat indemne. Parfois, même des blessures d'apparence bénigne peuvent se révéler fatales si elles s'accumulent. Alors, pour rester toujours maître de la situation, fais attention à ton physique et surtout n'oublie pas tes limites. Ça rime. Mais d'ailleurs, j'y pense, tu n'es pas un peu fatigué? Tu devrais te soigner. Très bien. L'issue d'un combat se décide parfois en un seul coup. Tout compte. La bénédiction de Phoenix, la magie, l'adresse à l'épée. Pour faire la différence, tu dois maîtriser chacun de tes atouts au combat. C'est comme ça que tu pourras prendre l'avantage. Le point essentiel, c'est d'être alerte et prêt à réagir à tout moment. Assez d'échauffement. On va passer au test. Tu as pris une sacrée douche tout à l'heure. J'espère qu'après ça, tu as les idées fraîches. Je n'attendais que ça. Enfin un combat sérieux. En garde! Si tu crois vraiment avoir les capacités pour être un gardien, alors prouve-le. À vos ordres, maître. Bah, on va juste attaquer à distance, hein. Allez, jeune homme. Maintenant, passe à l'attaque. Vas-y, je sais que tu vas arriver à le battre. Tu vas y arriver, Clyde. Concentre-toi. Ah! Oh. On ménage pas ses efforts. Continue, Clive. Bon, je me calme, moi. Comment ça, de plus carré? Je dois me rendre à l'évidence. Il va falloir que je me batte sérieusement, maintenant. Wow, la musique. J'aime beaucoup. Bravo, Clive. Ouais, je l'avais dit qu'il y arriverait. Oui. Tu t'es bien débrouillé. Ça n'a pas été facile. Ton style à l'épée me rappelle celui de ton père. Je ne vais plus pouvoir te traiter de gardien de pacotille à présent. Tu peux être fier. Vous vous croyez en pause? À vos postes! Thank you.
Joshua... Ce n'était rien. Le pouvoir de Phénix est précieux. Ne le gâche pas. Mais c'est mon devoir. Mes gardiens me protègent. C'est bien normal. Tu vois ? Tu toussais déjà ce matin. Tu n'aurais pas dû sortir. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas trop. Le doublage français est incroyable. Père est revenu. Oh, Majesté, voyons, ce n'est pas un endroit pour une femme de votre rang. Je suis ici en tant que mère. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Chers sujets, vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Merci, Majesté. À votre service. Joshua. Tu es sorti sans permission. Je ne te félicite pas. Désolée. Salutations, mère. Bien, Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Général ? J'arrive. C'est comme une merde, comme si c'était pas le même père et que du coup... C'est pas une façon de traiter son fils, franchement. T'as vu ? Pauvre gamin. Juste parce qu'il a pas hérité de Phénix. Suivons-les. Un chocobo. Des classes. Un jour j'achèterai une autruche et la chevaucherai. Elle va me renverser par terre, mais... Ça va mieux, j'espère. Oui, père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ah, vraiment ? Silence, Talgor. Mais arrête ! Du calme ! Ce sera un allié de taille plus tard. Père. Relève-toi, Jill. Merci, Majesté. La ville tout entière se réjouit de votre retour, Majesté. Il faut se préparer, Clive. La guerre approche. La situation est-elle si critique ? Passe à la salle du trône. Je dois te parler. Oui, Majesté. Maintenant, rompez ! Ta musique ressemble même pas à celle de Dragon Quest. Talgor ! Où tu vas comme ça, hein ? Je crois qu'on ferait bien d'y aller, Clive. Cruel crépuscule.
la guerre arrive. Car 3, c'est là. J'en ai bien peur. Ouais, d'accord. Je dois parler avec père. Minez ça sans trop traîner. L'archiduchesse n'est pas du genre patient. Moi, je vous le dis. Il a la marque sur la joue. Votre pomme. Pardon, Seigneur Roswell. Veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur. Fais ta révérence, idiot. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends ? Je vous importune, navré. Mais non, ne vous excusez pas, voyons. Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles, Votre Altesse. Ailleurs qu'ici, il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de lui. Quand on y réfléchit, il a même plutôt de la chance. Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves. Allons, relevez-vous. Allez. Putain, ça me passionne. Absolument, Seigneur. Nous suivrons, bien sûr, vos recommandations. N'en faites pas trop. Sachez que Rosalia vous est reconnaissante. Nous nous retirons, Votre Altesse. Bonne journée, alors. Allez, viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein. Sans la révolte, hein. Vas-y, go, on continue. Ils ont commencé à préparer le souper. Talgor a faim, lui aussi. J'aime comme cet endroit est calme. Joshua est là! Il taille des buissons. Le jardinier est doublé. Comme vous le voyez, notre pourvoyeur taille les arbres du jardin. Je vais faire en sorte qu'il termine au plus vite. Waouh. Ce jeu sera incroyable. La protection de cet enfant doit être votre priorité absolue. J'espère que c'est compris. Mais la résistance à la gâchette. Comme fait noir. Bonne chance. J'ai l'impression qu'il va se passer un truc grave. Vous m'avez fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous ? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord ? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au Nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes.
C'est pas vrai. Ici à Rosalys, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du nord. Même si nous pouvons les détourner vers le sud, vers Port Iseux, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le royaume de fer ? L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. Il est impératif de leur reprendre souffle drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal mère, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre. Au nom du cristal mère. Demain, nous partons au Fort Phoenix. Là-bas, nous écouterons l'augure martial, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua ? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Ah d'accord, tu comprends mieux le 13 ans plus tard, quoi. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais, j'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. Deux hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fange Brune. Votre but ? Les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phoenix. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le calquet de ta mère. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. Faut avouer, le jeu est exceptionnel. Moi, je vais m'arrêter là pour cette partie de Let's Play. Je suis fatigué aujourd'hui. Mais... incroyable. Incroyable. J'ai rien d'autre à ajouter. Vous avez vu de Let's Play vous-même. Incroyable, j'ai hâte de continuer. Cette guerre qui approche, ce n'est pas qu'une question de mainmise sur les cristaux mères. Qui plus est, il faut impérativement empêcher le royaume de fer de reprendre pied sur le continent du Verponant. Je sais, hors de question de les laisser débarquer sur nos terres. Veillez sur mon père et mon frère demain. Compte sur moi. Je te souhaite bonne chance pour ta mission. Et j'ai vraiment hâte de voir le jeu commencer. C'est vraiment du grand jeu, c'est du grand Square Enix. Et le début est très très prometteur. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci infiniment de m'avoir suivi. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Et à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye.